paysage fascinant, un écosystème, une faune et une flore unique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs qu'en Afrique, précisément dans l'est du Tchad. Le parc national des Akouma, classé parmi les 100 sites à visiter au monde, est un paradis pour les animaux. Une trentaine d'espèces y vivent, certaines en voie de disparition. Il est aussi le symbole de la réussite de la politique environnementale du gouvernement qui s'est investi pour développer le site. Un site qui renaît aujourd'hui, qui, mieux que le président de la République en personne, pour s'enquérir de l'évolution. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, dans le sillage de sa visite de travail à Amtiman, s'est accordé le temps pour un safari grandeur nature. Conduisant lui-même la calèche division, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a pris du plaisir en contemplant le paysage et les animaux qui vivent dans le 3450 km² du parc national de Zakouma. On est sorti de Tinga. De Tinga, on a fait un peu vers Kourou, qui est une petite mare non loin de campement Tinga, et qui héberge cette époque un peu des animaux qui viennent s'abreuver. Et là, quand on est arrivé à Kourou, on a trouvé un mâle-buffle solitaire, qui est très en train de s'abreuver, et quelques coqs de faça à côté. Il était vraiment surpris de voir les animaux, de nous voir s'approcher des animaux, parce que c'était pas du tout facile, et les animaux n'avaient pas peur. Donc après ça, on a continué un peu vers Machtou, qu'on a trouvé un tortue qui est en train de vouloir entrer dans l'eau. Et du coup, de l'autre côté du mar, avec mon excellence jumelle, j'ai pu capter le lion, un mâle lion qui était couché. Donc, du coup, je fais savoir au maréchal qu'on a un lion aussi, juste devant la tortue qui est en train d'aller dans l'eau. Il l'a vu, mais il était vraiment surpris de voir le lion non loin de nous et qui n'a pas peur. Il était vraiment relax. Et on a pris un peu de temps avec ce lion, il a bien vu avec les jumelles. Et du coup, quand il a voulu descendre pour bien se positionner, le lion s'est déplacé parce qu'ils ne sont pas habitués avec en marche, mais avec le véhicule, ils sont vraiment relax. Il était vraiment surpris de voir le nombre des animaux qui étaient tout autour du véhicule. Ils sont vraiment habitués avec le véhicule et il était très content de voir les animaux comme ça. Il avait insisté de voir l'éléphant. On a vu des traces des éléphants, mais ils étaient passés juste devant nous quand on était arrivé. Malheureusement, on n'a pas vu. Mais on a vu un animal très rare du parc national des Akouma qui est le ratem, qui est observé très rarement. Un animal nocturne, mais qu'on a pu le voir dans la journée. Il était très 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 ravi de voir ça. Nombreuses sont les espèces en présence. La flore s'est reconstituée, cela éblouit le chef de l'État qui mesure le chemin parcouru. Je voudrais d'abord vraiment me réjouir d'être aujourd'hui dans le parc de Zakouma. C'est mon quatrième séjour. Évidemment, ce parc... C'est un parc très ancien qui a été créé dans les années 1963. C'est un parc qui est reconnu mondialement et classé parmi les 100 parcs les plus reconnus du monde. Malheureusement, nos compatriotes tchadiens ne connaissent pas, ou peut-être ne cherchent pas à valoriser leur patrimoine, qui est un patrimoine national, le parc. C'est vraiment dommage. L'évolution de ce parc, ça a évolué comme le Tchad a évolué depuis 1960 jusqu'à 90-2000.
1990, si nous n'avions pas pris des dispositions en son temps, le parc de Zakouma allait disparaître complètement. Pas de braconnage. Sauvage et surtout le braconnage des éléphants, des buffles, des girafes aussi. Je pense que c'était un honneur pour tout le personnel du parc de Zakouma et plus largement le personnel d'African Parks d'avoir reçu le maréchal du Tchad en ce jour mémorable. Je pense que c'était une visite qui était essentielle pour nous assurer que le mandat qui a été donné à African Parks d'appuyer la politique et la stratégie de la République du Tchad pour la protection de ses parcs nationaux et de ses ressources naturelles en général est bien conforme aux attentes de la plus haute autorité. La visite présidentielle revêt un intérêt capital dans la mesure où le maréchal du Tchad, président de la République, a donné de grandes orientations pouvant permettre au parc national de Zakouma de jouir pleinement de sa renommée nationale et internationale, notamment à travers l'inscription du parc national de Zakouma sur la liste des sites du patrimoine mondial, l'aménagement et l'agrandissement de l'aéroport d'Amtiman, le développement du tourisme national et international et la consolidation du partenariat qui est un outil privilégié pour la mobilisation des ressources pour le financement de la conservation et la promotion durable du tourisme. Outre ces orientations, cette visite a permis au maréchal d'apprécier l'évolution des ressources que regorge le parc national de Zakouma, qui est incontestablement le dernier écosystème sahélo-soudanien d'Afrique centrale qui demeure pratiquement intact. Un écosystème unique, le parc national de Zakouma l'est, en effet, quoi de plus approprié qu'une vue aérienne pour se rendre à l'évidence que le site a retrouvé sa vitalité. Il s'agit bien plus qu'un simple parc, un vrai refuge de la faune en Afrique, le seul en Afrique centrale à abriter ce dont les spécialistes en conservation appellent le Big Five, autrement dit, avoir dans le même parc éléphants, buffles, lions, léopards et rhinocéros. Des troupeaux à perte de vue sont nombreux à une période où les mares ne sont pas asséchées, beaucoup d'animaux sortent hors du parc. D'autres comme le damalisque font leur retour après une grande migration. Des merveilles que découvrent chaque année entre 600 et 700 touristes expatriés et 3000 à 5000 Tchadiens dans le cadre d'un vaste programme que développe le parc en matière d'éducation environnementale. Plus qu'une visite d'inspection, le séjour au parc du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a aussi donné lieu à de hautes instructions. Le cap fixé est la diversification touristique. Une meilleure valorisation du parc sur laquelle le président de la République a insisté. Pour lui, il est important de faire drainer les touristes, les Tchadiens en particulier, pour découvrir les merveilles qu'on ne retrouve que dans leur pays. C'est une richesse nationale, c'est une biodiversité qui n'existe nulle part. Vous avez la reconstitution des faunes et la flore qui s'est effectuée aujourd'hui. Grâce à la politique de préservation de l'environnement, de notre environnement que le gouvernement a mené, les résultats aujourd'hui sont tangibles. Soutien de l'Union européenne, nous avons mis tout notre poids pour faire
non seulement refaire revivre le parc, mais reconstituer aussi la faune qui avait disparu en son temps. Beaucoup d'espèces avaient disparu en son temps. Ça fait trop du temps. Il faut vous rappeler qu'on a perdu beaucoup de gardes forestiers qui ont été abattus par dans les années 2000, hein, abattus par les braconniers qui viennent du Soudan. Et si aujourd'hui, heureux de constater que depuis 2016, il n'y a pas eu totalement du braconnage ici, au niveau du parc des Akuma. Maintenir la cadence et réussir à drainer massivement les touristes est un pari qui fait appel à une synergie d'action, les unes plus perspicaces que les autres. Les perspectives du parc national des Akuma s'articulent autour de l'intégration des orientations du maréchal dans les plans de travail conjoints avec le ministère en charge du tourisme, la conduite du classement dans le patrimoine mondial du parc, ce qui est un vecteur de valorisation et de tourisme, avec la relocalisation du village de Bonne, bien entendu dans le respect des meilleures pratiques, la mise en place d'une concession touristique avec un opérateur privé sur le parc national des Akuma, et sans oublier les nouvelles vagues de réintroduction des rhinocéros en 2021 pour restaurer la faune dans le parc. Il reste de grands défis à relever, évidemment, de réussir à poursuivre la lutte contre le braconnage, de faire en sorte que nous valorisions au mieux ces territoires pour le bénéfice des générations à venir. Il y a des gros programmes d'éducation environnementale qui sont déjà mis en œuvre. Et puis nous avons de grandes ambitions qui relèvent de la stratégie du chef de l'État, et notamment la réintroduction d'espèces qui ont disparu, le renforcement des populations de rhinocéros à Zakouma, la relocation d'Adax et d'Oryx dans les Médis, ou encore à une échéance un peu plus lointaine, une grande opération de translocation de buffles et d'autres espèces clés vers ce que nous espérons, le futur parc national de Signacaminia. Oui, la visite du chef de l'État au parc des Akuma, pour nous, ça montre sa volonté et sa vision pour les parcs nationaux des Akuma, de faire développer ces parcs et devient un patrimoine mondial. Pour cela, nous, en tant que fils de la région, on a vu la volonté du chef de l'État et la valeur ajoutée qui va amener après cette visite, parce que ça va encourager le gouvernement d'accompagner et surtout, comme le chef de l'État, lors de son allocution devant la population du Salamat, pour développer très rapidement les infrastructures, et cela facilite les transactions entre les autres. Les investisseurs aussi vont venir accompagner le développement de ces parcs. Cette visite présidentielle est avant tout un encouragement pour le personnel travaillant sur le site. Elle célèbre également la réussite et le dynamisme du partenariat entre le Tchad et African Parks. Les dispositions qui ont été prises en faisant appel à des spécialistes qui ont une expérience de longue date, comme la société African Park, avec qui nous avons signé des accords pour la gestion ou co-gestion, mais aussi la reconstitution des espèces qui sont en voie de disparition. Je dois saluer l'effort qui a été fait par les Tchadiens, par l'African Park, avec le financement de l'Union Européenne. Aujourd'hui, la Akuma est reconstituée. Vous avez aujourd'hui dans le parc
autour de 600 éléphants, 12 000 buffles, 1000 girafes, autour de 1000 girafes, 120 lions. Et donc, il y a d'autres, bien sûr, espèces que je ne cite pas. Ça, ce sont les gros animaux qui sont connus, c'est ça que j'ai cité, mais il y a plus d'une trentaine d'espèces d'animaux qui sont dans le parc ici. Je voulais donc demander aux Tchadiens, au lieu d'aller ailleurs faire du machin, apprendre à venir voir leur parc ici national. C'est là donc témoigne donc à suffisance l'intérêt que la haute autorité d'hommes du pays accorde à la conservation. Et c'est aussi un grand hommage à l'ensemble du personnel qui travaille nuit et jour. C'est aussi un encouragement et c'est aussi une reconnaissance officielle, je dis, d'un succès, d'un partenariat sud-sud entre African Park et donc le CAT. La collaboration avec APN est satisfaisante car elle a permis d'avoir une remontée satisfaisante de la population de la faune et l'atténuation du braconnage. Par exemple, en 2010, nous avons 753 girafes et 610 buffles. En 2018, nous totalisons 1233 girafes et 11960 buffles. Et nous avons également la reconnaissance du parc national de Zakouma parmi les 100 meilleurs sites à visiter au monde. La réussite d'un partenariat, la réussite d'une politique qui augure des perspectives heureuses pour le parc et les statuts du Tchad en matière de conservation. Bien, merci. Moi, j'ai eu la chance de passer 4 fois, mais cette fois-ci, j'ai passé la nuit ici pour la première fois. Je passe la nuit ici au parc. Ça a été vraiment agréable. Le tour que nous avions fait hier dans l'après-midi à l'intérieur du parc nous a permis aussi, peut-être c'est pas la période, ce n'était pas en groupe, mais on a vu sur l'étiquette des animaux qui vivent ici dans le parc, comme par exemple des lions, des oiseaux, des biffes, qui sont dans la nature. Et le parc s'est reconstitué et c'est devenu même une forêt carrément aujourd'hui. Et là, les animaux aiment ça. C'est une biodiversité unique en son genre. Et nous sommes en voie, sommes en discussion pour faire le parc de Zakouma un parc patrimoine mondial. J'espère que nous réussirons dans notre projet. Je crois que le maréchal du Tchad a démontré une fois de plus qu'il est le premier conservateur de son pays, que sa vision qui lui avait amené African Parks au Tchad il y a une dizaine d'années ne se dément pas. Et je crois que sa connaissance du terrain en tant qu'également homme d'action a été démontré une fois de plus, et son amour pour ces ressources naturelles exceptionnelles que possède le Tchad. Il nous semble que la visite s'est bien passée et nous espérons le revoir bientôt en ces terres. Inscrire le parc national de Zakouma sur la liste du patrimoine mondial ne sera que justice au regard de l'investissement colossal fait par le Tchad sous la conduite de son président Idriss Déby Itno. Un président qui, par cette visite, montre bien qu'il est un homme d'action et de terrain, faisant l'étalage de sa connaissance du pays et de ce qu'il regorge comme potentialité.